Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Low Coach. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation de Rodri et de son rôle central dans le jeu de Manchester City. Acheté pour 70 millions d'euros à l'Atlético Madrid en 2020, il avait pour but de remplacer le départ à la retraite du capitaine Fernandinho qui avait un rôle de pur milieu défensif. Très rapidement, Rodri a commencé à avoir une influence importante sur le jeu et il est devenu très rapidement la pièce maîtresse du jeu de Guardiola. Sur la saison dernière 2022-2023, Rodri est le joueur le plus utilisé par Pep Guardiola. Avec 4476 minutes jouées, il est devant le second joueur Ederson de 200 minutes, ce qui fait à peu près 2 matchs de plus, et environ 350 minutes de plus que l'attaquant Erling Haaland, ce qui fait à peu près 3 matchs et demi de plus. Rodri a pour poste principal milieu défensif, et il peut descendre au milieu de la défense. Pour rappel, la définition d'un milieu défensif est un joueur qui a un seul travail, c'est de protéger le but et d'empêcher l'adversaire d'avancer et de marquer. Par exemple, si un arrière décide de rejoindre l'attaque en tant qu'ailier, le milieu de terrain défensif peut prendre sa place dans la défense jusqu'à ce que l'arrière revienne à sa position. Mais le rôle de milieu défensif a été affecté à John Stones, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder en complément de celle-ci pour vraiment comprendre la réussite de Manchester City cette saison. Si John Stones est le milieu défensif, mais alors quel est le rôle de Rodri? Il y a 2 saisons, lors d'une conférence de presse, Pep Guardiola a parlé de Rodri et du rôle au milieu de terrain. Je cite. C'est tellement important, le gars qui joue en tant que holding midfield, défense centrale, les frappes, toutes les positions au milieu sont tellement importantes. Pour la suite de la vidéo, je vais traduire holding midfield par milieu de terrain de maintien. Guardiola a ajouté, avec l'aide de son assistant Juanma, ils ont essayé d'aider Rodri à comprendre le jeu, spécialement ce qu'un milieu de terrain de maintien doit faire. Et pour finir, il a dit, l'année dernière, Rodri bougeait beaucoup trop. Un milieu de terrain de maintien doit rester là, ne doit pas bouger, doit rester là. C'est comme conduire une voiture et que vous vous mettiez sur le siège arrière, vous risquez de vous cracher. Le conducteur doit rester là, devant. Devenir le maître du jeu au milieu, et tout le monde gravite autour. C'est le rôle de Rodri. Pour cela, il faut un joueur avec beaucoup de calme, capable de jouer sous la pression des adversaires, même si c'est le dernier défenseur devant sa propre cage, et avec une excellente vision du jeu. Comme ici lorsque le Real Madrid réalisait un pressing très haut sur le terrain, Rodri propose des solutions de passe dans l'axe, puis il est directement pressé par 2 joueurs du Real Madrid, et avec son calme, sa vision du jeu et ses qualités de passe, Rodri trouve la passe parfaite vers l'avant en contrant totalement le pressing du Real Madrid. De plus, il est capable de mettre son corps en opposition pour protéger le ballon, et grâce à ses qualités techniques balle au pied, il arrive à garder la possession du ballon malgré la pression importante des adversaires. Et il a d'excellentes qualités de passe, que ce soit du pied droit ou du pied gauche. Rodri est parfait pour le système de Guardiola qui aime construire à partir de derrière et qui aime avoir la maîtrise du jeu. Dans son rôle de maître du jeu, Rodri est le joueur par lequel passe le ballon de la défense pour aller en attaque. Et c'est là que nous allons voir son intelligence tactique dans la lecture du jeu et dans le positionnement. Ici, lors d'une phase de possession de Manchester City, Rodri va prendre une position axiale entre les attaquants et les milieux adverses. Ici, on voit qu'il regarde vers l'avant pour scanner la position de ses adversaires, mais aussi de ses coéquipiers. Là, il scanne à nouveau le terrain. Scan. Encore un scan. Il bouge et il scanne encore. Encore un scan. Sa prise d'information du jeu, tout en se déplaçant pour proposer des solutions, lui donne un gain de temps important avant la réception du ballon, car il sait où il va l'envoyer directement. Encore une fois, Rodri scanne l'aile droite en prenant l'information de la position des joueurs, alors que le ballon se trouve encore sur l'aile gauche. Lors d'une récupération du ballon des joueurs de Manchester City, John Stones change de côté rapidement en réalisant une passe longue. Rodri est très reculé en défense dans l'axe. Et là, il va courir rapidement pour accompagner le porteur du ballon qui se trouve sur l'aile gauche pour lui proposer des solutions dans l'axe tout en scannant l'aile droite. Avec sa position axiale, sa lecture du jeu et ses qualités de passe, Rodri peut changer le jeu en seulement 2 touches de balle, ce qui déstabilise beaucoup les défenses adverses et donne des occasions dangereuses pour Manchester City. Comme ici lors d'une récupération de balle très haut sur le terrain contre Liverpool, grâce à sa prise d'information en amont, en 2 touches de balle, Rodri délivre la passe parfaite pour Mahrez qui marque le but. En regardant les stats de passe des joueurs de Manchester City, Rodri est le joueur qui a réalisé le plus de passes par rapport à ses coéquipiers lors de cette saison en Premier League. Avec 2987 passes réalisées, avec un taux de réussite exceptionnel de 91%. En détaillant encore plus cette statistique, il a un taux de réussite de 92,9% pour les passes courte distance
et un taux de réussite de 93,4% pour les moyennes distances, et un taux de 84,7% pour les longues distances. Ce qui est tout simplement exceptionnel. À titre de comparaison avec les autres joueurs de Premier League, Rodri arrive second par rapport aux joueurs qui ont réalisé le plus de passes cette saison, mais la stat la plus phénoménale est le taux de réussite de 84,7% pour les passes longues pour quelqu'un qui a réalisé plus de 300 passes longues. Lors de la confrontation contre le Bayern Munich en Champions League, Stones, qui est sous pression ici sur l'aile droite, va essayer de chercher une solution de passe dans l'axe et il va trouver Ruben Dias. Rodri court vers Dias pour prendre le ballon tout en scannant le terrain. Et Dias le sait, il doit faire la passe le plus rapidement possible à Rodri. Rodri avance avec le ballon et réalise une passe pour Kevin De Bruyne tout en cassant les lignes des milieux adverses. Ici sur cette action, la ligne d'attaque des milieux est très compacte. Alors Stones descend pour attirer le marquage individuel des joueurs de Manchester United, ce qui donne de l'espace pour Rodri qui se place immédiatement entre les lignes et il reçoit le ballon de Walker. Et si l'axe est trop fermé, Rodri descend au milieu de la défense pour orienter le jeu sur un côté, puis il accélère pour revenir dans l'axe à hauteur du ballon pour proposer une solution au porteur du ballon et dégager la pression de lui. Avec son positionnement et sa vision du jeu, Rodri arrive à délivrer des passes vers l'avant en cassant les lignes adverses. Ici, lors de la finale de la Ligue des Champions, Rodri arrive à trouver Foden en une touche de balle derrière les lignes de milieu de l'Inter de Milan alors qu'il aurait pu faire la passe à John Stones qui lui faisait des signes. Rodri est clairement le joueur par lequel tous les joueurs de Manchester City vont chercher pour lui faire la passe. Et les stats le prouvent, Rodri est le joueur qui a touché le plus de ballons tout au long de la saison en Premier League avec 3272 ballons touchés, 6000 de plus que le second Ruben Dias. Lorsque le ballon est récupéré par les joueurs de Manchester City au milieu de terrain, la première personne que l'on recherche c'est Rodri, car il est toujours face au jeu et il arrive à maintenir la position du ballon sur cette hauteur du terrain. Le ballon revient dans l'axe dans la zone de Rodri, il est directement sous pression et en une touche de balle il arrive à effacer son adversaire. Encore une fois, on va venir chercher Rodri dans l'axe, et directement il est sous pression, mais il arrive à effacer facilement son adversaire. Et lorsque le ballon est perdu par ses coéquipiers, il arrive à le récupérer rapidement très haut sur le terrain, et propose une solution immédiatement au porteur du ballon. Avec Haaland sous pression qui va venir chercher Rodri, qui lui en une touche de balle trouve l'homme libre, et efface complètement le pressing de l'équipe adverse. Cette passe de Rodri permet au bloc de Manchester City de ne pas reculer et de ne pas subir la pression de l'équipe adverse et de continuer à maîtriser le jeu. Guardiola avait aussi dit lors de la même conférence de presse, je cite, « Rodri lit mieux les situations de jeu et défensivement il a plus de présence. Avec le ballon, il sait exactement où sont les espaces pour attaquer et le tempo avec lequel nous devons jouer. Le milieu des terrains de maintien a parfois besoin de 5 touchés de balle, parfois 1, parfois 3, et maintenant il joue avec le rythme qui est de notre jeu. Jusqu'à présent, il a été exceptionnel. Mais comme je lui dis toujours, il peut encore être meilleur. S'il veut, cela dépend de lui. Et on sera là pour l'aider. » Avec sa position axiale, Rodri doit suivre le déplacement du ballon lorsque le ballon passe de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Car il est le joueur de référence par rapport auquel les autres joueurs de Manchester City se positionnent. Et lorsque l'adversaire choisit un côté, il se positionne très vite à hauteur du ballon et reste toujours dans sa zone axiale que vous voyez dans le rectangle bleu. Le jeu se poursuit et Rodri se positionne toujours à hauteur du ballon en restant toujours vers l'axe. Il ne descend pas pour fermer l'espace alors que Akanji est sorti du milieu de la défense. C'est Stones qui va venir couvrir la sortie d'Akanji et grâce à son positionnement, Rodri récupère le ballon facilement et le réoriente directement en une touche de balle vers le joueur libre. D'un autre côté, Rodri a un excellent repli défensif. Il reste toujours axial mais il vient soutenir sa défense en fermant l'axe à l'adversaire. Comme ici où il récupère le ballon car l'attaquant adverse a voulu passer par l'axe, ou là quand il revient pour aider la défense et fermer les solutions de passe dans l'axe. Rodri a compris réellement ce qu'attendait Guardiola de lui, surtout par rapport à son positionnement dans l'axe, d'un point de vue offensif mais aussi défensif, ce qui a permis à Rodri de récupérer énormément de ballons et de sécuriser la défense. Et une autre stat à mettre à son actif grâce à sa lecture du jeu, Rodri est le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans le milieu de terrain adverse, avec 202 ballons récupérés en Premier League en comparaison avec tous les autres joueurs de Premier League. Très à l'aise avec le positionnement, il arrive à avoir un pas d'avance ou deux de plus sur l'adversaire, ce qui lui permet de chipper le ballon facilement. Et l'exemple du match aller contre le Real Madrid en Champions League en est la preuve. Lorsque Camavinga récupère le ballon en défense et décide de faire une passe axiale sur Rodrigo. Et Rodri intervient car c'est sa zone et il récupère le ballon et prend le dessus sur Rodrigo. Et c'est sur cette récupération que Manchester City va égaliser à travers De Bruyne au Santiago Bernabéu.
Ici, sur une action contre Arsenal, Rodri est pris au milieu des attaquants et des milieux. Mais encore une fois, il arrive à se libérer et il trouve l'espace pour réussir à frapper et marquer le but. Encore une fois, un ballon perdu qui revient dans l'axe et c'est encore Rodri qui vient pour frapper le ballon. C'est ce positionnement de Rodri qui lui permet d'avoir des possibilités de frappe et de marquer des buts. Les occasions où Rodri frappe et menace la cage adverse sont très nombreuses. Rappelez-vous du quart de finale contre le Bayern Munich, où il reçoit le ballon, efface directement la pression de Musiala, et de son mauvais pied et le pied gauche, il l'envoie en pleine lucarne. C'est pour cette raison que Simone Inzaghi, le coach de l'Inter de Milan en finale, avait décidé de mettre un blocage complet sur Rodri pour l'empêcher de jouer, car c'est le joueur le plus important du jeu de Manchester City. C'est le maître du jeu. Et ça s'est vu, Manchester City a énormément galéré lors de la rencontre et ils ont eu énormément de mal à jouer leur propre jeu. Mais quand tu es un grand joueur, il suffit d'une seule occasion. Comme lorsque le ballon revient à l'entrée de la surface de réparation de l'Inter de Milan, la zone axiale de Rodri qui fonce vers le ballon et qui frappe et qui marque le seul et unique but de la rencontre. Le seul défaut que j'ai pu trouver à Rodri, c'est que parfois il n'est pas très agressif sur le porteur du ballon, ce qui donne des occasions dangereuses pour l'équipe adverse. Mais grâce aux immenses progrès qu'il a fait, il est devenu un joueur de classe mondiale. Il a été décisif en finale et a permis à son équipe de remporter pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Et il a été naturellement élu homme du match. C'est une revanche importante pour ce joueur qui n'avait pas joué une seule seconde de la finale entre Chelsea et Manchester City 2021 en Ligue des Champions. Depuis, Rodri a remporté la Ligue des Nations avec l'équipe d'Espagne et a été élu meilleur joueur de la compétition. Bravo à Guardiola qui a réussi à améliorer les performances de Stones et de Rodri, les rendant complémentaires pour améliorer le jeu de Manchester City. Même si les médias ne parlent pas des performances ni des qualités de Rodri, il est devenu très clairement le joueur le plus important du système Guardiola, et l'un des acteurs majeurs de la réussite de Manchester City cette saison. Il est clairement le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao !